quoi doit-on explorer pour améliorer la compliance? Il y en a plusieurs, je pense que c'est un tout. La première partie, bien sûr, passe par l'éducation de nos patients, de nos consommateurs. Ça passe aussi par du test consommateur et des pré-évaluations de nos systèmes pour vérifier qu'ils sont compréhensibles avant de les mettre sur le marché. Notre client est vraiment l'utilisateur final du médicament. PharmaPack aide justement à nous faire voir des choses qu'on ne verrait peut-être pas forcément dans notre panel de fournisseurs habituels. On découvre des nouvelles choses et ça nous fait penser comme ça par rebond à des opportunités ou des possibilités nouvelles. Donc en ça, PharmaPack est un animateur, un émulateur d'idées. C'est toujours intéressant de sortir des sentiers battus au sein des allées de PharmaPack. Donc c'est intéressant qu'il y ait une sélection quand même des exposants. On a aussi cette possibilité d'assister à des conférences entre deux visites chez les exposants. Et ça, c'est quelque chose qui est bien également, puisque ces conférences vont répondre à des problématiques ou vont me permettre d'aborder des sujets avec des professionnels qui sont reconnus dans les problèmes qu'on a abordés. Il faut garder cette proximité et cet aspect un peu familial que l'on peut ressentir sur ce salon à PharmaPack.